concurrente de Koh-Lanta 2023, Clémence ne laisse pas transparaître aux Philippines le drame familial qu'elle a vécu. En 2012, sa sœur, enceinte au moment des faits, a été tuée à son domicile. Depuis la fin février, Clémence apparaît sur le petit écran des téléspectateurs de TF1 dans Koh-Lanta, le feu sacré. Âgée de 27 ans, elle vit en Charente-Maritime et travaille en tant que chef d'équipe Fibre Optique Change, un groupe français de bâtiments et travaux publics. Pendant plusieurs années, Clémence s'est occupée de sa famille entière. En participant à l'émission animée par Denis Brognard, la candidate aux capacités physiques étonnantes estime qu'elle peut vivre sa première aventure en solo. J'ai besoin de me connaître. Ce sera la première fois où je vais m'engager toute seule. Personne ne devra compter sur moi et moi, je ne devrais compter sur personne, témoigne la candidate de cette nouvelle saison de Koh-Lanta dans son portrait. Koh-Lanta 2023, la sœur de Clémence assassinée, le coupable du meurtre en prison si elle est aussi proche de sa famille, si est-il parce que Clémence a vécu un événement traumatisant il y a plus de 10 ans, le meurtre de sa sœur. En août 2012, une jeune femme âgée de 27 ans répondant au nom de Pauline est tuée à l'arme blanche à son domicile situé dans la commune de Ponce, en Charente-Maritime. Les secours sont appelés aux alentours de 1h du matin et découvrent la victime, enceinte de plusieurs mois de son deuxième enfant et mère d'une fillette de 7 ans, avec une plaie au niveau du cou. Elle meurt 1 heure plus tard. L'autopsie révèle par la suite que Pauline a été mortellement touchée par un coup de feu tiré par un fusil de chasse. Condamnée en première instance à 20 ans de réclusion pour assassinat, le coupable a été condamné en appel à 25 ans, les faits ayant été requalifiés en meurtre. Cela fait 10 ans qu'elle est décédée, témoigne Clémence, Koh-Lanta 2023, interrogée sur cet événement traumatisant par nos confrères de télévision Mag Le Figaro. Clémence a accepté de se confier sur ce drame personnel qu'elle a dû traverser avec ses proches. Nous avons une histoire familiale assez complexe, pour plusieurs raisons mais principalement en raison de l'assassinat de ma grande sœur. Cela fait 10 ans qu'elle est décédée, nous avons eu 8 ans de procédure judiciaire et s'il est-il quelque chose d'assez lourd à supporter pour une famille, a-t-elle confié au sujet de cette terrible épreuve, expliquant aussi que ce drame est à l'origine de sa proximité géographique avec sa famille. J'ai essayé d'être toujours présente pour mes parents et mon autre sœur, pour faire en sorte qu'ils ne supportent pas tout cela tout seul. Je n'ai jamais trop bougé, je suis toujours restée en Charente-Maritime pour rester auprès d'eux, ajoute-elle. À lire aussi Benjamin, Koh-Lanta, le feu sacré, tacle la production, c'est un peu abusé ce qu'on voit à l'écran.